Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'Ultimate Fishing pour parler de trois types de têtes plombées de chez Xorus qu'on a rentrées à la gamme dans les derniers mois. Donc c'est des têtes plombées qui ont été spécialement développées pour l'eau douce. Certaines passeront en mer, mais je vais plutôt vous parler de leur utilisation en eau douce et notamment sur des pêches de persillé, des pêches de cendre, des pêches de perche. Donc on va commencer avec la Big Fish Radical. Donc c'est une tête plombée que vous aviez peut-être déjà retrouvée par le passé, qu'on a un petit peu remis au goût du jour et puis surtout à nos goûts. Donc on l'a équipée avec un hameçon d'écueil, un jigonze que vous avez l'habitude de retrouver sur nos têtes plombées en couleur argentée brillant, qu'on a choisi volontairement de prendre en noir pour plus de discrétion. On sait que certains d'entre vous y font attention. Et puis on a refait nos peintures pour avoir des choses qui sont cohérentes avec notre gamme de leur soupe, les contrastes qu'on souhaitait effectuer et les choses qu'on aime bien utiliser dans l'équipe. Donc là, je vous montre la radicale en premier. Quel intérêt a cette tête plombée là? C'est tout simplement tous les intérêts qu'on connaît sur une tête plombée sabot. Donc je vais vous montrer un ensemble que j'aime bien utiliser avec cette tête plombée là. Voilà, c'est avec un one-up, tout simplement là j'ai un one-up 6 pouces. J'aime bien utiliser ce genre de tête plombée là pour pêcher en verticale pour plusieurs raisons. Déjà, quand notre leurre soupe va se poser sur le fond, on va avoir une bonne présentation, ce qui va nous permettre, notamment les jours où il ramasse un petit peu sur le fond. En lac de barrage, ça arrive moins souvent, mais en fleuve, c'est beaucoup plus courant. Ça nous permet d'avoir une bonne présentation. On a une face plate qui est vraiment large et qui permet vraiment de bien stabiliser le leurre correctement sur les phases de pose sur le fond. Donc ça, c'est un des premiers intérêts d'une tête plombée sabot et de cette tête plombée-là. Le deuxième, c'est tout simplement quand on pêche en verticale un peu lentement, un petit peu léger, et qu'on veut accentuer le côté planant sur les phases de relâcher. Le côté plat va vraiment opposer une bonne résistance à l'eau et accentuer cet effet planant à la descente. Et parfois, sur les pêches un petit peu légères en verticale, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Donc voilà, moi, mon combo avec les têtes plombées sabots, c'est vraiment avec un one-up shad. C'est très souvent comme ça que j'utilise une tête plombée sabot, même s'il y a plein d'autres leurres souples qui s'utilise très bien avec ce genre de tête plombée là. Donc pour vous donner un ensemble qui va bien, en tout cas quelque chose que j'aime bien utiliser notamment par eau claire, ça va être un one-up 6 pouces en Pro Blue avec une radicale en coloris Matelançon comme ici, comme ça on a un ensemble très naturel qui passe très bien en eau claire et qui est vraiment une très bonne base pour débuter une journée en verticale quand on n'a pas trop d'infos et qu'on ne veut pas trop prendre de risques. On passe ensuite à la deuxième forme de tête plombée qu'on a développée avec les mêmes couleurs. Donc c'est la Ultimate Eel. C'est une tête plombée très pointue, très profilée. Donc elle va avoir plusieurs intérêts. Le premier, c'est que ça va très bien fendre l'eau. Donc on va soit pouvoir pêcher en lac de barrage avec des grammages plus faibles qu'on pourrait le faire par exemple avec une tête plombée ronde ou une tête plombée sabot, tout simplement parce qu'on va mieux trancher la colonne d'eau et on va bien tenir le fond comme ça, et ça permet de pêcher un tout petit peu plus léger les jours où ils ont un petit peu de mal à aspirer ou on rate un peu de touche. Le fait de pouvoir présenter quelque chose d'un peu plus léger, c'est vraiment intéressant. Et quand on pêche en fleuve, c'est d'autant plus intéressant qu'on a l'influence du courant, et le fait d'avoir une tête plombée comme ça un petit peu pointue, ça permet vraiment de bien fendre le courant et de présenter notre leurre de la façon la plus stable possible à la hauteur désirée. Donc je vais vous montrer, comme précédemment, un combo qui me réussit bien et que j'aime beaucoup. C'est une Ultimate Eel avec un X-Layer Curly. Donc là, j'ai pris un X-Layer Curly, mais globalement, je trouve que tous les leurres qui tirent assez peu dans la ligne, tous les leurres de type comme le Curly, de type Finesse, de type Slug, j'aime bien les associer avec ce genre de tête plombée-là. Et une pêche que j'aime bien faire en lac de barrage, c'est quand les eaux commencent à se refroidir, qu'on a pas mal de poissons blancs qui se regroupent et on a parfois des bordures un petit peu abruptes, très rocailleuses, et on a les cendres qui sont cachées dans les rochers et qui attendent que la boule de vif qui tourne au-dessus d'eux passe au bon endroit pour sortir et venir les intercepter. J'aime bien descendre ce genre de leurre souple-là avec ce genre de tête plombée et placer ça juste entre la boule de vif et les rochers. Et puis je vais venir jouer sur une dérive très lente avec des animations un petit peu sèches, à déclencher les poissons comme ça sur des touches réflexes. Le curly est particulièrement bon dans cette situation, tout simplement parce que sur la taille en 7 pouces comme celle-ci, vous avez à l'arrière du leurre une petite cage avec un petit rattle qui va permettre de jouer sur le côté sonore aussi, ce qui est assez rare quand on pêche au leurre souple. Donc le rattle, on peut l'enlever et le remettre.
il est juste à l'arrière. Donc là, pour bien utiliser ça, je me tiens à 50 cm au-dessus des rochers, je descends un petit peu dedans, je mets un petit coup de poignet pour faire claquer le rattle à l'arrière, et puis après je reprends ma dérive très lente et j'anime pas plus que ça. Juste de temps en temps, un petit coup sec pour faire claquer, la tête plombée un petit peu profilée va l'aider à partir sur les côtés, c'est très souvent ce qui va déclencher les touches sur des poissons qu'on a du mal à faire sortir des cailloux. Et enfin, le dernier type de tête plombée dont je voulais vous parler, c'est les têtes plombées de forme football, donc des têtes plombées comme celle-ci, comme la Ultimate Football de chez Xorus. Donc, à quoi sert ce genre de forme-là? C'est tout simplement pour accentuer le rolling du leurre. On va avoir une tête plombée qui va permettre d'augmenter le balancement flanc sur flanc et du coup d'accentuer les vibrations qui sont émises par le leurre. Donc, dans quel cas, moi, j'utilise ce genre de tête plombée-là? Alors, soit quand je pêche en linéaire, tout simplement pour avoir un leurre qui vibre fort. Déjà, moi, ça va me permettre de bien le sentir dans la canne et ça va me permettre d'émettre beaucoup de signaux et comme ça de prospecter un peu rapidement et de savoir si j'ai un poisson actif sur la zone. Donc, typiquement, un leurre souple que j'aime bien utiliser de cette façon-là, c'est le full swing. Donc, le full swing de chez Red Japan qui a une gomme qui est déjà très tonique, un paddle assez important qui envoie des grosses vibrations. Et donc en combinant ça avec l'effet de la tête plombée qui va encore augmenter ses mouvements, on a quelque chose qui va vraiment pulser, qui va envoyer des gros signaux. Et si on a un poisson en chasse dans la zone, en pêchant en linéaire comme ça, avec ce genre de tête plombée et ce genre de leurre souple-là, en principe on est assez rapidement au courant. Donc ça c'est une des premières façons de l'utiliser. J'aime bien aussi utiliser ce genre de tête plombée en verticale. Notamment tôt le matin, quand je sais que j'ai des poissons en chasse, et pour les mêmes raisons que je disais juste avant, c'est que ils sont en chasse, ils n'ont pas besoin d'être séduits, la seule chose dont ils ont besoin, c'est de repérer le leurre pour venir l'attaquer. Donc plus on enverra de signaux, et plus on aura de chances qu'ils viennent le prendre à ce moment-là. Donc dans ces cas-là, j'hésite pas à utiliser ce genre de tête plombée-là, à pêcher un petit peu vite, à passer rapidement au-dessus des poissons. Et ça me permet de battre du terrain, d'avoir un leurre qui pêche 100% du temps au-dessus des poissons, puisque je suis en verticale, je vais bien rester au-dessus d'eux, je vais avoir quelque chose qui vibre fort. Et du coup, s'il y en a un ou deux qui sont en chasse, théoriquement, c'est pareil. C'est une façon de pêcher en verticale qui permet de déclencher pas mal de touches. J'aime aussi bien utiliser ce genre de tête plombée-là quand je pêche très vite en verticale et notamment sur les plages. Donc les Ultimate Football, elles vont jusqu'à 28 grammes. Pour toutes les pêches rapides qu'on peut faire, notamment sur les plages, en lac de barrage, quand on a besoin de vraiment d'avoir quelque chose qui pulse et de passer rapidement sur des vastes étendues, c'est vraiment le genre de tête plombée qui va bien. Donc voilà, je vous ai présenté les trois formes de tête plombée pour pêcher les persidés, mes petits combos favoris pour chacune de ces têtes plombées-là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous faites d'autres combinaisons, je serais intéressé d'avoir votre point de vue. Et puis s'il vous reste des questions sur les choses dont j'ai parlé, n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires, on viendra vous répondre. Et puis sinon, je vous dis à bientôt.